Salutations les amigos. Bienvenue dans l'épisode 6 de la fabrication de cette gaming room incroyable. Si vous êtes tout nouveau et que vous découvrez ma chaîne avec cet épisode, sachez que je suis parti de rien, la pièce était totalement vide, c'était des parpaings, c'était du ciment, c'était gris sur gris sur gris. De zéro et j'ai placé ma plomberie moi-même, j'ai construit ces murs en placo moi-même avec des montants métalliques, j'ai construit ce plafond moi-même avec des structures métalliques également suspendues, c'était bien relou. J'ai fait ce magnifique carrelage imitation parquet avec des poteaux et ça aussi c'était bien casse-burne. C'était à la phase où j'étais tout simplement arrivé sur une pièce blanche, immaculée, propre, nickelos, avec les câbles passés, prêts à être montés et prêts à être aménagés. Enfin l'aménagement, putain, enfin l'aménagement. Un grand moment, et donc cet épisode 6 traite de l'aménagement de ce magnifique bureau. Ce qui est bien en plus, c'est que vous êtes absolument pas spoilé, puisqu'on le voit, il est là devant notre nez, putain. Enfin bref, faites comme si vous n'avez rien vu. Sont déjà abonnés à ma chaîne, merci à vous, vous savez où on en est. Donc du coup, vous savez ce qui reste à faire, hein. C'est parti, aménagement les gars, aménagement. Générique. C'est parti, instant de vérité, je finis la commode et on voit ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, pour l'instant, montage à blanc, j'ai refait parce que ça fait un sacré bureau. Franchement, c'est juste génial. Je vais avoir une place. Oh là là, ça fait du bien. Comme vous pouvez remarquer ici, effectivement, forcément, j'ai un gros jour. Alors en fait, c'est vachement bien d'une, parce que j'aurai accès à mes prises électriques cachées derrière. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Une petite multiprise, et puis on a accès à tout. Par contre, là où c'est moins cool, c'est que ça se voit de l'extérieur, mais j'avais évidemment prévu le coup, j'ai une ancienne chute de plan de travail qui va venir se coller comme une joue, en fait, dans les cuisines, on appelle ça une joue sur le côté, une joue qui sera, donc du coup, ça bouge, hein, je ne l'ai pas fixé encore, et ça sera fixé là sur le côté, donc on verra rien en plus, ça sera parfait. J'ai mes câbles qui ressortent au bon endroit, c'est bon, prêt à faire mon install d'écran, prêt à tout brancher, à mettre un tapis, un fauteuil, et puis on y sera. Vous avez pu remarquer en plus, je serai centré un petit peu près, à peu près ici, donc j'ai mes enceintes qui sont déjà là. Plus qu'à brancher tout ça, tout ce merdier là-bas, mettre la tour, etc., etc. Et ça sera juste incroyable. Ça, si je ne l'ai pas fait encore, c'est que c'est que j'attends d'avoir mes prises d'alimentation de chaque écran et faire propre, mettre mon passe-câble, mon joli passe-câble. Aujourd'hui, c'est descente, déménagement du bureau.
petits amigos, c'est l'heure du montage à blanc, pas montage final, parce qu'il me manque la partie métallique que j'ai fait faire à un serrurier métallier, qui va me servir de maintien pour mettre mes bras à la fois de micro, à la fois d'éclairage, mais surtout mes écrans, avec les maintiens d'écran. Et ça, ça va venir forcément se porter dans les montants métalliques qui sont derrière. Donc il me faut une petite plaque sur mesure que j'ai fait faire, donc là je l'attends. Ensuite, je me fixe tout ça, donc pour l'instant les écrans seront au sol, toujours plus. Ils seront sur le plan de travail, mais cela est temporaire. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu envie de filmer. Hein, c'est comme ça, je me suis dit que ce moment ne servait strictement à rien, c'était un moment clé, mais c'est pas grave. Donc vous m'imaginez en train de mettre ma tour PC sur mon bureau, hein, mes écrans sur mon bureau, et puis brancher des câbles au PC et au bureau. Hein. C'est palpitant, hein. C'est pour ça que ça n'a pas été filmé. Donc là, il y a une ellipse. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire l'installation, ça y est. Le PC a pris sa place. Le passe-câble très propre, voilà, on a juste les câbles apparents, mais ça c'était déjà prévu. Je voulais vraiment que le PC soit comme ça en mode évidence. Les tiroirs qui me proposent une place de fou super bien rangée. J'ai laissé évidemment de la place ici pour mettre ici le lecteur des disques durs éventuels. Et juste ici, je viens de recevoir mon petit ampli de 100 watts pour alimenter les enceintes qui sont là-haut. Et oui, comme ça, j'aurai du son qui sortira de bien meilleure qualité. Sort actuellement des écrans PC, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Là, juste ici, voilà, on se chope. Donc vous avez vu, tout est bien rangé, ça fait plaisir. Enfin, oh là 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 là, j'avais pas toute cette place avant. Hop là, la petite imprimante cachée avec le papier qui est là-dedans, comme ça, ça libère le plan de travail. Et ici, à nouveau du papier, de la lettre, bref, patati patata. Je mets ça en place dans mon premier tiroir. Et puis roule ma poule, normalement j'ai les câbles d'enceinte qui arrivent ici. Alors comme vous pouvez le voir par contre au niveau câble là c'est un peu pourri. Et je vais mettre un petit passage de câble en haut là très discret. Donc ça fera bien. La bonne idée, je vais poncer des montants de rails, enfin des montants de placo qui me restaient. Je vais les poncer, je vais les peindre en noir, je vais les pré-percer évidemment pour pouvoir les installer. Et en fait, ça sera mes chemins de câbles ici. Deuxième petit bricolage que je vais faire, c'est pour le casque. Il me reste des petits morceaux de planches de chêne et je vais venir me faire un support de casque juste là-dessous. Ça va être incroyable! C'est parti, on va se lancer dans la fabrication de ces petits briques-là. Pour aller visser, ça passera dans les gros trous. Et les vis, je pourrais aller visser mes vis. Voilà mon gars, ouais, c'est ça mon gars. Petits amigos, regardez-moi ça. Alors ça, ce câble, il va se barrer après. C'est juste un changement de disque dur. Et puis regardez ça, voilà, au propre. On voit plus rien. Plus que ma prise de casque à positionner. Avec ce bon gros morceau de chaîne, je vais me faire mon porte-casque. C'est-à-dire que l'épaisseur est plutôt déjà bien. Donc en fait, je vais venir juste tailler le petit L qu'il faut. Voilà, tout simplement. Tout ça, je découpe. Et je vais garder uniquement ce petit crochet après deux petits trous là-dedans.
Clac, petit arrangement de casque, discret. Oh là, que c'est beau, voilà. Le câble management, les gars, dit-il avec deux gros câbles visibles encore. Voici les amigos, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, pensez à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir des notifications comme quoi il y a des nouvelles vidéos qui sont sorties. C'est très important. Je vois encore là sur internet, bande de petits filous, vous êtes énormément à regarder les vidéos sans vous abonner. Je crois que ce dernier mois, il y a eu plus de 1500 vues en tout sur la totalité des vidéos et je n'ai pas 1500 abonnés en plus, bande de petits filous. Donc pensez à vous abonner, pensez à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste de toute façon tout ce qui est visuel, logique. En attendant, je vous dis à bientôt et on n'oublie pas les bonnes habitudes. Bisous.